On n'a pas besoin de monter la baffle dans le gradin. Très bien, super. Bienvenue à notre gala de Synchrocamp. Donc pour cette année, c'est notre premier, puisque je vous ai expliqué la semaine dernière, on avait un stage de synchro-socle, mais c'était vraiment essentiellement technique, donc on n'avait pas fait de gala. Donc là, vous assistez au premier. Merci beaucoup d'être là. Je suis désolée, mais je ne parle pas espagnol. Hein, pour ceux qui viennent du Chili, ça va? Très bien. Bon, ben, on va vous présenter ce que les filles ont fait dans la semaine. Donc elles ont eu un entraîneur par groupe, il y a eu 4 groupes. Elles ont monté une chorégraphie entière dans la semaine, donc vous allez le voir. Mais en plus de ça, il y a certaines filles qui ont voulu faire ou des solos impro ou leur ballet de club, donc duo, solo. Il y aura bien sûr un ballet final et une petite présentation à sec, puisqu'on a fait de la danse, on a fait beaucoup de travail de maintien du corps. Donc je vais vous expliquer tout cela entre les ballets et on va pouvoir commencer. Il est très bon fait. Chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá! Lá, 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 lá. Je vais commencer par vous présenter toutes les nageuses. Donc on avait 41 nageuses cette semaine qui viennent de toute la France, de Suisse et du Chili. Donc nous avons Marie-Sara de Paris, Gilles de Véropé, Yamina de Zurich de Suisse, Laurie de Martigues, Lilou de Lyon, Marie de Cheville-la-Rue, Antonia du Chili, Vivienne de Suisse, Célia de Gap, Naël de Colmar, Manon de Colomiers, Chloé de Sifour, Johanna de Lyon, Dorine de Colmar, Solène du Chili, Noémie de Cannes, Enza de Gap, Andriana de Martigues, Marine de Gap, Chloé de Monaco, Emma de Colmar, Bettina de Épinal, Agathe de Montpellier, Louise de Pontecombo, Elisa du Chili, Léa de Château-Contier, Erin de Cannes, Maddy de Cannes, Céline de Cannes, Catalina du Chili, Shirley de Suisse, Noélie d'Aix-en-Provence, Charlotte du Chili, Consuelo du Chili, Félicia de Cannes, Chloé de Saint-Raphaël, Charline de Cannes, Inès de Colmar, Lucille de Cannes, Mélissa de Saint-Flour, Anaël avant de faire de la synchro. Donc on va commencer par ce petit spectacle de danse. By your grace, baby, I can see your halo.
d'applaudir très fort. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut assimiler pour pouvoir bien faire des jeux, des faits dans l'eau aussi après. En attendant leur retour pour la préparation de chaque ballet, je tiens vraiment à remercier la ville de Salon Provence pour nous avoir accueillis cet été, puisqu'en effet la piscine d'Aix était en travaux. Monsieur le maire, bien sûr les élus du sport, également bien sûr tout le personnel de la piscine, ses techniciens, les ménageurs, les directeurs de bassin qui nous ont accueillis vraiment très chaleureusement, et tout le monde a passé. Ils ne sont pas connaisseurs, donc je vais me permettre de réexpliquer, même si les parents connaissent un petit peu comment fonctionne la synchro, j'expliquerai un petit peu les termes techniques. Donc en attention synchronisée, nous avons le ballet d'équipe qui se fait à 8 maximum, on peut être moins, mais en compétition on a des points en moins. Le duo à 2 et le solo individuel. Nous avons également depuis quelques années un nouveau ballet qui s'appelle le combiné, comme son nom l'indique, qui fait un mixte des trois. Donc dans le combiné, on peut avoir un solo, un duo et même maintenant un trio, un ballet à quatre. Voilà, tout se mélange un petit peu dans ce programme combiné. Et c'est ce que vous allez voir en particulier sur les ballets qu'elles ont fait. Elles ont plutôt monté des combinés. Donc on va commencer par le duo de Suisse avec Yamina et Vivienne. Entendu, comme on a monté les ballets dans la semaine, on n'a pas de maillot adapté au ballet. Toutes les nageuses ont apporté leur propre maillot. Donc on va continuer avec un duo d'Elisa et Catalina. Donc en compétition, on a le droit de démarrer dans l'eau. On a droit à maximum 10 secondes en dehors de l'eau. Donc on peut faire une présentation à sec et plonger vraiment maximum au bout de 10 secondes, sinon on a des points de pénalité. Ensuite, les ballets chez les seniors. Le ballet d'équipe dure 4 minutes, le solo 3 minutes, le duo 3 minutes 30. On va continuer avec des solos improvisés. Donc vous allez avoir plusieurs filles tout autour du bassin qui vont se relayer et elles vont faire une improvisation sur la même musique. Donc on va voir, pardon, Agathe, Chloé, Solène et Léa normalement. C'est parti. Tous les oiseaux du Brésil, oh, 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 je suis Capoeira, je suis le roi, le roi, le roi. Le roi. Une fois sourd, je suis le roi de la samba. Le roi de la samba. Ah, eh. Tout le monde aime la samba. J'adore la samba. Le rythme qu'on a dans le cœur. Je suis le champion de la samba. Amour et joie, il n'y a que ça. Ah. La magie est la nourriture. Donc en équipe de France, on fait souvent ça pour un petit peu voir ce qu'on est capable de sortir, aussi bien pour les solos que pour les ballets d'équipe. Par contre, il faut absolument qu'on se filme parce qu'on est incapable de savoir ce qu'on a fait la plupart du temps. Si vraiment on s'investit, on se laisse aller et quelquefois on fait vraiment des choses très compliquées parce qu'on sent bien sur la musique et des fois on a du mal d'ailleurs à les reproduire. Donc c'est vraiment important de se filmer. Ensuite, pour les jeunes aussi, c'est important de faire ça. Pour détecter un peu des filles qui peuvent être timides, et là on peut voir ben finalement elle a envie de faire un solo, elle a des capacités qu'on n'aurait pas soupçonnées, donc c'est intéressant de pouvoir faire ça. Et également, moi quand je leur fais faire des solos improvisés, je leur demande d'aller dans la difficulté. Donc par contre de finir correctement techniquement, mais d'aller chercher des nouveaux appuis. Donc ça permet aussi d'évoluer un petit peu au niveau de la technique. On va poursuivre avec un nouveau duo. Normalement, c'est programmé sur France O, si je ne me trompe pas, les 16 et 17 août. Il y a les championnats d'Europe qui vont commencer pour la synchro le 13 et qui se finiront le 17, donc ils mettront certainement les finales. La semaine d'après, il y a la natation, puisqu'en effet, on est aussi bien européen que
internationales, donc la FINA et la LEN, en discipline avec la natation, le plongeon, le water polo, la longue distance, l'eau libre et la natation synchronisée font partie des mêmes championnats. Donc on va poursuivre avec le quatrième ballet, et c'est le ballet de Emmeline sur les États-Unis, si je me trompe pas. Et on plie les jambes très fort pour pousser avec les jambes, donc rétro-pédalage et avec les bras également, elle porte. Donc tout ça sans toucher le fond, bien entendu, on n'a pas le droit. Super. Bravo. Donc ce ballet vous a été présenté par Marie, Lénaëlle, Yamina, Vivienne, Lilou, Manon, Noémie, Célia, Laurie, Agathe, Chloé et Solène. Vous pouvez encore les entendre. Donc on a parlé tout à l'heure des temps des cons. Vous avez pu voir, pour ceux qui ne connaissent pas la natation synchronisée, qu'il y a un fil qui se balade là au bord du bassin. Donc c'est le haut-parleur sous-marin. Bien entendu, les filles entendent la musique sous l'eau. Sinon, en effet, on n'arrivera pas à rester sur le même tempo et on aura des dissociations. Ça arrive que le haut-parleur ne marche pas très bien. Donc ça, c'est compliqué. En compétition internationale, c'est très rare, mais ça arrive également. Donc souvent, quand ça nous arrive, c'est une fille qui prend le relais et qui va crier sous l'eau pour compter, pour que ses équipières puissent retenir un seul compte et pas tous les comptes. Ensuite, là, vous les avez vus taper
ou à la perche ou au bord du bassin, donc on appelle ça le tap-tap. C'est en effet ça qui nous donne le rythme. Alors pourquoi ce soir elles l'ont fait alors que normalement elles ont la musique? C'est parce qu'en effet il y avait tellement de choses à travailler cette semaine que la synchronisation n'était pas forcément la priorité. Donc pour les aider à être bien sûr et à être ensemble, on s'est permis de taper. Ce qui est bien sûr formellement interdit en compétition. Donc on va arriver au terme de ce gala, on va vous présenter un ballet final avec toutes les nageuses et pour finir, le pays, la France.
Mmh.